Bonjour à tous, ici c'est Lionel Dossou et j'ai été membre du groupe béninois de rap Dalaika sous le pseudonyme Fada et je vous présente mon nouveau coup de cœur sur Dalaika Media. Si c'est la première fois que vous nous découvrez, n'oubliez pas de vous abonner tout de suite à nos pages Facebook, Instagram et surtout YouTube pour suivre nos nouveaux programmes chaque semaine. Alors mon nouveau coup de cœur, c'est la magnifique compile EP hashtag rappel. Un projet innovateur et original qui regroupe 6 artistes féminines originaires de Montréal qui sont MCM, Myriam Sassi, Wanessa, Ruby, Kela et Sidani. L'originalité de ce EP est de réunir des artistes certes vivant au Québec, mais provenant toutes d'origines diverses. Cette diversité apporte une couleur et une richesse de sonorité et de musique qui rend l'album irrésistible. Mais c'est surtout le talent des filles de Rappel qui fait la différence sur cette compilation. La chanson Les Ailes est clairement un des moments forts servis par la voix puissante de la Québéco-Algérienne Myriam Sassi et une composition musicale pleine d'énergie. De la plume à la scène, on vient briser les chaînes. Deux ailes, puissantes en les ailes du rap qu'est bien. Les ailes du rap qu'est bien. De la plume à la scène, on vient briser les chaînes. Deux ailes, puissantes en les ailes du rap qu'est bien. Myriam démontre un potentiel de flow et de chant remarquable. Elle, qui a déjà présenté au Festival de Jazz de Montréal, est ouverte pour des artistes comme Wyclef et Busta. Dans Les Ailes, l'artiste partage ses aspirations et ses rêves et on s'envole avec elle. Myriam est accompagnée par d'autres artistes femmes tout aussi remarquables, comme Wanessa et sa voix envoûtante sur la chanson Partir. Je vais partir, je viens pas loin de Wanessa, originaire d'Algérie aussi, livre un bijou de chant R&B où elle montre une palette vocale impressionnante. Sa voix, sa beauté et sa confiance crèvent l'écran. Elle a tout pour devenir un jour une star internationale. Mais la force de ce EP, c'est sa diversité car MCM, qui a déjà participé à des scènes hip-hop à Dakar en 2018, vient avec un flow hard, porté par des lyrics engagés qui apportent une couleur, une touche différente. Elle rappe sur fleurs noires. J'ai oublié de me présenter, une de perdue, des heures poussées. Noir est la fleur, noir est le cœur, noir est la mort, j'y ai pensé des heures. Et la fleurie, petite Marie, la fleur est sans mais a vraiment mûri. Un trap émotionnel et brut qui rappelle que pour la jeune femme moderne, grandir dans le mouvement rap keb vient avant tout avec son lot de pièges et de dangers. Enfin, la chanson Booty Call qui nous fait danser et bouger sur les voix sexy de Ruby en feat avec Nodly, un mélange de chant et de rap. Booty Call apporte ce ton de légèreté indispensable pour équilibrer un album hip-hop. On a le sucre pour ta recette et le moule pour ton gâteau. 3X dans la confo, 3AM dans l'auto. 5 à 4 Booty Call, Booty Call, ouais. Booty Call, Booty Call. Beau symbole de l'émancipation sexuelle de la femme moderne, un moment fort quand Ruby rappelle que c'est bien le mec qui est l'objet du booty call dans cette chanson. Rappel n'en est qu'à la première saison, car d'autres artistes féminines s'ajouteront. Donc je vous invite à suivre cette compilation et ce mouvement. Selon moi, le défi pour Rappel restera dans la promotion. Le mouvement rap ne domine malheureusement pas l'espace musical québécois. Pire, les médias ne donnent pas une couverture égale aux femmes dans l'industrie du hip-hop. Alors pour cela, soutenons massivement ces jeunes femmes venant de plusieurs origines en les suivant sur leur page Facebook, Instagram, en les écoutant sur YouTube. Hashtag Rappel, R-A-P-E-L-L-E-S. Elles sont cool, elles sont talentueuses, elles méritent qu'on les écoute et qu'on partage au maximum. Et pourquoi pas un jour les femmes de Rappel en tournée en Afrique et nos rappeuses africaines du top Kaleidoscope de ce mois en tournée avec leurs sœurs de Rappel dans tout le Québec. Bye tout le monde et à la prochaine.